Les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation se sont réunis ce soir ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union sacrée de la nation pour se souhaiter mutuellement les vœux de nouvel an 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange, de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment. Et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Et vous serez informé au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes à